Il n'y a pas grand-chose déjà dans Lot-et-Garonne, donc ça permet de pouvoir se rencontrer entre auteurs et aussi de pouvoir rencontrer les lecteurs, de se faire connaître. C'est une bonne initiative parce que de toute façon, on a besoin de ça, hein, on a besoin de ce genre de choses. Ça complète parfaitement la fête de la lecture qui est en octobre, qui est plus axée jeunesse. Là, c'est vraiment un salon du livre plus pour adultes et un public plus varié. J'essaie de parler effectivement de ce qui me tient à cœur, en l'occurrence ce monde paysan, d'autant plus que maintenant, par les temps qui courent, il est quand même terriblement menacé. Voilà, je me sens d'autant plus amené à témoigner. Ça, c'était avant 1905, et donc Douillac était celui qui a créé d'ailleurs la Fédération Socialiste de Gascogne. On a fait une avant-première de présentation du livre uniquement consacré aux gens qui nous avaient prêté. Très bonne initiative, on fait de belles rencontres entre auteurs et lecteurs, donc je trouve ça très bien que les auteurs locaux se réunissent. Et c'était la catastrophe. Venir rencontrer des auteurs locaux et en plus ce petit coin cosy de conférence, là ça nous a vraiment plu, c'était très très intéressant. Il y a des auteurs régionaux qui méritent d'être connus, il y a eu des débats, je trouve qu'il y a une très forte participation. Les auteurs sont entourés, discutent avec les acheteurs, c'est très très sympathique.